Eh bien, bonjour à toi public, bienvenue sur ma chaîne. Ici, c'est Xavier de la chaîne Chala64. On va regarder aujourd'hui en vitesse les paramétrages du Kelab essentiel pour contrôler le B3 V2 parce qu'il y a quelques petits bugs de configuration par défaut et je vais vous montrer comment bien les fixer. Et comment contrôler l'intégralité de votre VST physiquement avec le Kelab. Mais on se retrouve tout de suite après le générique. Alors voilà, donc j'ai ouvert une instance de B3 V2 qui est la recréation d'un orgue amont qu'on va retrouver dans la V collection 9. Soit directement dans la collection, mais on peut aussi bien évidemment l'acheter en VST unique. Je crois qu'il est autour des 149 euros, mais à vérifier sur le site directement de chez nos amis Arturia. Donc, on va évoquer juste le paramétrage. Pourquoi je fais ce tutoriel? Parce que les paramètres par défaut, en fait, ne sont pas configurés au maximum pour le contrôle du soft. Vous vous foutez de moi là? Donc je vais vous expliquer là comment bien paramétrer votre clavier. Il y a quelques petites astuces à voir dans le MIDI Center. Je vais vous les montrer de façon à ce que vous puissiez l'utiliser complètement et contrôler directement le soft en physique via votre essentiel. Je le fais pour l'essentiel parce que sur les versions MK2, c'est encore une autre chose. Je referai une vidéo là-dessus sur les MK2 parce qu'on peut le contrôler différemment et je vous montrerai exactement les manips. Alors donc là, on a le soft donc par défaut. J'ai pris le patch par défaut du VST. Voilà, donc il n'y a rien d'exceptionnel. Sauf que si vous vous mettez en mode map analog lab, et donc vous allez pouvoir contrôler les faders ici directement, on voit bien qu'ils bougent, hein. Voilà, il n'y a aucun souci. Donc bien évidemment, vous ne pouvez contrôler que les faders. Les faders sont paramétrés sur le upper, pas sur le lower. Alors vous avez la possibilité, en cliquant sur l'icône paramètres ici, de pouvoir mettre différents modes de keyboard. Donc vous avez le multi, le split, le lower et le upper. Donc le multi, dans le cas où vous avez deux claviers, ça vous permet de contrôler le clavier du bas et le clavier du haut complètement indépendamment. Le mode split, ben, c'est tout simplement un splittage du clavier, c'est-à-dire que là vous jouez la partie haute, fait la partie basse, pardon, donc le lower. Et là, le upper. Tout simplement, vous avez la possibilité de définir votre split entre le upper et le lower ici. Donc par défaut, il va se mettre sur le F dièse 3, donc c'est là. Moi, en général, pour des raisons pratiques, je le descends au C2. Enfin, au C3, pardon. Au B2.
Là. Voilà. Et vous allez également pouvoir définir si vous êtes en mode multi, par exemple. Donc là, vous avez un son par clavier. Hein. Vous allez pouvoir définir ici les MIDI channels. Si vous avez éventuellement un pédalier basse, vous pouvez envoyer les basses sur un channel différent. Sur le... Donc vous avez trois modes de sélection de channel ici. 1, 2 ou 3, bon, bien sûr ça va jusqu'à 16. Hein. Donc c'est ici que vous allez pouvoir paramétrer la disposition de votre setup hardware. Donc là ce qu'on va faire, alors l'idée c'est que moi j'aimerais bien avoir les boutons de percussion, de volume, de decay et d'harmonique programmés sur les pads. Pour la simple et bonne raison que quand vous jouez, vous pouvez avoir besoin d'activer rapidement les modules de percussion et c'est infaisable à la souris en temps réel. Sauf que dans le mode Analog Lab et dans le mode Do, les pads sont affectés à des notes MIDI d'office. Et ce n'est pas modulable. On ne pourra pas les changer. Elles sont fixes, elles sont non writable. Donc même si vous là elle est sur le E1 par exemple, même si j'avais dans l'idée de me mettre sur le E moins 1 ou moins 2 ou 0, je ne pourrais pas l'enregistrer sur le clavier parce qu'ils ne sont pas writable en mode Analog Lab et en mode Do. Alors, la première chose à faire, c'est d'aller ici dans votre logiciel de MIDI Control Center. Et on va se créer tout simplement un user. Voilà. Donc, on va changer les MIDI CC des pads et on va changer le mode de communication des pads. Donc, les pads sont par défaut, je le rappelle, mis en mode MIDI note. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est de les mettre en mode CC, donc Control Change, pour pouvoir commander directement un contrôle change au pad. Donc on sélectionne le pad, on se met ici en switch control channel, on peut le laisser là, c'est pas fondamental de le changer. On se met, alors important, on se met en toggle parce que si vous êtes en gate, lorsque vous allez relâcher, ça va remettre le contrôle en position off. Ce qui nous intéresse ici, c'est d'activer la percussion, mais qu'elle reste activée justement. Donc c'est pour ça qu'on va se mettre en mode toggle ici. On va sélectionner un contrôle vierge et on va le faire pour tous les pads. Je vais sauvegarder le preset, je vais le nommer B3.1.
je le sauvegarde et je le store sur mon user. Je vais en créer un autre et on y reviendra tout à l'heure. Vous comprendrez pourquoi ça peut être intéressant d'en créer un deuxième. Avec principalement les faders sur lesquels on va attribuer d'autres contrôle change parce qu'ils sont tous sur le même number. Et vous verrez tout à l'heure pourquoi. Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. 'Cause I'm easy come, easy go. Little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. Donc on va le sauvegarder en B3.2 ici et on va le storer en User2. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va vérifier qu'il est bien dans le clavier. Donc là, je l'ai bien ici et je les ai bien là. Donc j'ai mon User1 et User2 qui sont programmés et prêts à être paramétrés. Donc on retourne sur le B3. Et on va commencer à paramétrer donc les faders qui nous intéressent. Donc on va s'occuper des uppers. Donc pour ça, on va dans MIDI ici. Donc cette page-là, normalement par défaut, elle s'affiche pas. Quand vous ouvrez le soft par défaut, il va s'ouvrir dans cette position-là. Donc on va dans les paramètres ici et on va tranquillement aller sélectionner les contrôles qu'on veut affecter au clavier. Donc c'est assez simple. Donc vous allez dans le deuxième onglet, donc le premier c'est Setting, on l'a vu tout à l'heure pour tout ce qui est paramétrage général. Après vous allez donc dans le deuxième onglet qui est MIDI. Vous pouvez rester là-dessus ou créer un vide. On appuie sur MIDI config, donc on va appuyer sur le Learn. Toutes les actions qu'on peut configurer s'affichent en bleu et on va commencer donc à activer les faders. Voilà, on a fait les premiers, donc tout va bien. On va quitter le mode MIDI, on va se revenir en Setting. Parce que si vous restez sur le mode MIDI, tant que vous êtes en MIDI Learn, dès que vous bougez en fader, ça va changer le paramètre. Donc là, j'ai mes faders qui sont bien assignés, sauf qu'ils marchent à l'envers. C'est pas possible! Ça, c'est encore des configurations par défaut qui sont un peu énervantes.
Mais c'est valable à peu près chez tous les éditeurs. Je crois qu'à un moment, il va falloir arrêter de faire les configurations par défaut par des lémuriens dépressifs. Donc, on va changer les valeurs des tirettes. Vous avez deux façons de le faire. Soit vous revenez sur votre MIDI Control Center ici. Et lorsque vous avez votre fader, vous modifiez la valeur, donc ça va les inverser. Ou sinon, tout simplement, vous avez votre valeur ici dans la colonne de droite, minimum, maximum. Donc là, vous les modifiez par fader avec la souris. Il suffit juste de les inverser. Alors c'est un peu long, mais je vous accorde que si c'était fait déjà en amont, ça serait déjà pas mal. Parce que quand vous avez tous les contrôleurs à modifier pour des questions de valeur, parce que vous avez un éditeur qui va se mettre en valeur positive, l'autre en négatif, etc., ça peut prendre un temps certain. Voilà, donc là on a nos faders qui fonctionnent. Alors un autre truc que j'avais relevé, c'est que moi j'aurais bien aimé que les faders soient à gauche, parce que quand vous jouez de l'orgue ou même quand vous travaillez avec Analog Lab par exemple, et que vous avez en temps réel des actions à faire de modification de valeur pour un cutoff ou une résonance ou un filtre, peu importe, et que vous êtes en train de jouer, c'est toujours un peu, c'est lent. Vous êtes là, c'est soit vous faites comme ça et vous perdez votre main droite, soit vous faites comme ça et c'est lent et c'est pas le plus pratique du monde. Alors que si c'était à droite, ça irait quand même vachement plus vite. Alors, c'est peut-être pas gênant sur une coupure de filtre où vous allez la manipuler ici, mais par contre pour un orgue, quand vous jouez de l'orgue, c'est vraiment embêtant d'avoir les faders à ce niveau-là. C'est au niveau de la réactivité, on perd vraiment de la réactivité au niveau du jeu. Et c'est vraiment pas pratique. Donc maintenant, on va signer les boutons d'action qui sont ici. Vous vous rappelez que tout à l'heure j'ai modifié les pads pour les passer en control change, donc c'est pour cette raison. On se remet en position learn, on va appuyer ici, donc voilà, là. Pour une raison pratique, les percussions, moi je vais les mettre ici. Voilà. On va assigner la pédale, donc là moi j'ai une pédale de volume en bas, donc vous la voyez pas, mais. Ah, elle n'est pas branchée, donc vous l'assignez de la même manière et on peut réassigner là ici pour le Leslie. Alors on peut aussi assigner le drive et le volume sur les boutons rotatifs, donc on revient en MIDI, MIDI Learn, on va assigner le drive et le volume. Et là, donc sur mes rotatifs, j'ai donc mon volume et mon drive. Voilà, donc là, on a tous les boutons qui fonctionnent. Ok, tout marche bien. Alors, je vous avais expliqué que j'avais créé un deuxième user. Tout simplement parce que dans le cas où je vais me mettre ici en mode split, le mode split, c'est pareil. Moi, j'aurais bien aimé avoir un bouton de split ici, assignable sur un contrôle on-off, de façon à pouvoir le faire en jouant directement. Sans avoir à repasser par la case menu, ça aurait été plutôt pas mal. Donc dans le mode split, je vais avoir donc mes lower donc sur la partie gauche.
Mais j'aimerais bien pouvoir les contrôler aussi, puisque la façade de lower se contrôle avec les uppers de droite ici. J'aurais bien aimé pouvoir les contrôler. Sauf que j'ai déjà utilisé mes 9 faders, donc je peux pas les contrôler directement avec les faders que j'ai déjà utilisés. Donc c'est pour ça que j'ai créé cette deuxième map en mode user 2 et on va lui affecter. Les users, enfin les tirettes, et on va lui affecter les tirettes. Donc je vais revenir. Donc on va utiliser la deuxième map que j'ai créée tout à l'heure et on va lui affecter les tirettes de la partie lowers. Donc c'est la même manip. Et évidemment, bien évidemment, comme tout à l'heure, ils vont être en mode Je ne peux plus, je ne peux plus, je ne peux plus, je ne peux plus. inversé. Donc on réinverse les valeurs. Pour terminer, la programmation de nos tirettes. Et là, donc, on a donc. Ah, j'en ai loupé une. Donc, on y retourne. J'ai loupé la deuxième. Voilà. Donc, et normalement. Non. Décidément, quand ça veut pas, ça veut pas. Là, j'en ai un ici qui est redescendu. C'est terrible, hein? Ah, mais je dois avoir le même contrôle change dans le 73. Et non, il est sur 60. User 2, c'est possible que j'ai. Et oui, c'était ça, c'est que j'avais le même control change dans le fader. Donc normalement, maintenant, ça devrait être bon. Sauf que le 2, il s'est remis en inversé pour le coup. Donc, c'est le 102, c'est le 5-1, je crois. On va vérifier que c'est bien celui-là. Voilà. Donc, et là, j'ai ma partie lower qui est. Thank you.
Voilà, et là, vous pouvez commander les deux parties de votre clavier. Voilà, donc j'espère que cette petite explication vous sera bien utile parce que je vous avouerai que moi j'ai mis un petit temps à comprendre et un petit temps à paramétrer un petit peu tout ça de façon à pouvoir le jouer précisément en live et rapidement. Vous avez toutes les infos de site en bas dans la description. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Salut les amis!